Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour deux petits courriers. Alors il y en a un, c'est une balle et l'autre c'est un haul. Donc je vais vous montrer la balle parce qu'elle est arrivée aujourd'hui le 30, elle est arrivée le 29 juin. Hein, donc je sais de qui elle vient puisque c'est quelque chose que j'ai gagné. Donc, je mets un petit peu à l'écart pour pas que vous voyez son adresse. Elle me vient de Marina, de la chaîne Marina 1231. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, d'accord? Oh là là, elle m'a mis plein de choses. Donc, je vous montre. Alors, elle m'a mis une petite carte, je crois même qu'elle l'a fait en tuto sur sa chaîne. Je ne suis pas très sûre. Elle a mis butterfly, ce qui veut dire papillon. Et en fait, elle avait eu deux fois comment dire, ce cachet, hein, ces tampons. Et elle l'a mis à gagner. Et donc, elle a fait un petit tirage au sort et c'est moi qui l'ai gagné. Alors voilà, je vous laisse regarder et je vais lire son petit mot. Bah, j'ai eu de la chance parce que hier j'ai gagné un autre tirage aussi sur la chaîne de Sabella Fantasy. Oui. Ah ben écoute, je me suis inscrite pour le défi de juillet. Alors peut-être qu'on sera ensemble, on verra. Je t'embrasse, Marina. Alors voilà, donc on pourra faire ce genre de choses. Après, elle m'a mis une jolie kiss. Ah, c'est sympa. C'est très très beau. Alors où est-ce qu'elle a mis son mot kiss? Ah. Je pense que c'est ici. Ah, je sais pas. Bah, c'est parce qu'elle a déjà fait un gribouillis ici. Je vois pas trop où il serait autrement. Puis là, on voit bien comme un K. Donc, c'est ça. Donc, bah, je vais garder ton timbre. Ah oui, tu habites une belle région. Hein. Nous, là, on a eu un peu d'eau au début d'après-midi. Puis là... on était parti voir mes beaux-parents à l'EHPAD. J'ai emmené papy, puis Alain après a été voir parce que ils avaient perdu la sonde qu'ils ont dehors pour la température. Alors il a été voir, demander, enfin il l'a retrouvée. Donc c'était les anniversaires aujourd'hui. Voilà, c'est très très mignon. Bah, je te remercie. Alors je ne sais pas ton fond, comment tu l'as fait? Là, tu as découpé, les arbres, c'est découpé dans du vert. Puis tu es revenu mettre un petit peu de colorisation. Mais je ne sais pas. Puis là, on voit une petite fille qui est très, très mignonne. Alors là, un petit... alors, la libellule, elle n'est pas là. Non, là, c'est les papillons. Alors, là, elle a mis une petite libellule, là, un papillon. Puis là, un petit oiseau qui emmène un petit mot. Alors, voilà. Ici, elle m'a fait... mignon, le bonheur est dans l'air. Regardez, très joli aussi, avec un papillon, mais un papillon qu'elle a collé. Après, elle a fait une petite découpe, elle est venue coloriser. Elle a mis un washi dessous et elle a mis son petit mot. Un très joli marque-page. Merci. Ah oui, alors elle a marqué Marina du 1-2.3-1. Ah oui, moi j'aurais mis tout ensemble, tu vois. Et puis elle m'a fait une jolie petite ATC. Hello. Ah oui, ben là, elle a. Ouais. Très très jolie. C'est super mignon. Ça, c'est des petits embellissements de chez. Comment dire? De chez Action. Ouais. Les accolis là. Ouais. Puis là, elle est revenue coller une petite enveloppe.
Là, elle a mis un autre petit autocollant et un Hello par-dessus. C'est très très mignon. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est très gentil. Alors, après, alors ça, je le garde, je fais une petite photo. Après, d'ailleurs, c'est elle, parce que j'avais mis un petit mot sous une de mes vidéos en demandant s'il y en a qui connaissaient des papiers vellum style un peu ancien, quoi. Hein. Et puis elle m'a mis un petit mot, elle m'a dit il y en a chez Shine. Alors, bah, j'ai commandé, j'ai passé ma commande. Alors, c'est la première fois que je commandais chez eux. J'en ai souvent entendu parler par ma petite fille. Alors, j'ai commandé 3, 4, pardon. Voilà. Et j'en ai profité parce que c'était livraison gratuite. Parce que là, il y en a pour 8 euros, c'est 2 euros le lot. Alors, je vais vous les montrer parce que chez Panalisa, ils en ont, mais il y a des papiers aussi. Donc, moi, les papiers, ça ne m'intéresse pas forcément. Alors, je me suis dit, bah, je vais essayer, je verrai bien. Alors, de mémoire, il y en a un de reste, oui. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment très très fin. Ça fait même, on dirait plutôt du papier de soie en fait. Hein? Je vais garder le fond pour que vous les voyez. Parce que derrière, bah, il n'y a rien quoi. Hein? C'est pas vraiment ce que j'attendais. Je suis un petit peu déçue quand même. Hein? Y a ça. Alors attendez, je vais les mettre comme ça. Il y a ça. Ouais, je. Or, si on en avait deux pareils, les coller l'un contre l'autre, mais. Ouais, je sais pas. Franchement, oui, si, il y en a peut-être deux pareils. Parce que. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Là, il y en a un avec des ronds. Non, on dirait du papier de soie plutôt, hein. Ouais. Voilà, je crois qu'il y en a 15 par bloc. Je sais pas. Franchement, c'est pas ce que j'attendais. Mais bon, on peut pas dire que c'est moche, mais que je pense que ceux de chez Pana, ils étaient vraiment. Voilà. On en a bien des doubles, mais c'est pas les, sont pas exactement au même endroit. Ça, c'est joli aussi. Bon, ben. Non, c'est pas ça. Hein, mais bon, je m'en servirai, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc, je ne sais pas comment je vais les utiliser. C'est ça le problème. Les coller sur une feuille blanche, une petite feuille, pas trop épaisse. Peut-être, je ne sais pas. Alors après, il y a celui-ci. Alors là, on est plus sur des dentelles. Hop. Alors, je vous mets le fond blanc. Voyez? Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre l'avant et l'arrière. Hein. Ouais. Peut-être. Ouais, je vois comment je vais faire. Là. C'est du 6 pouces. Hein. Là, c'est très joli, mais c'est pas ce que j'attendais. Celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, sont très beaux, hein. C'est très très beau, mais. Je pense que je les collerai avec du double face, mais ça va pas être facile. Mais peut-être pas les laisser dans ce format-là, je sais pas. Par rapport aux photos que j'ai aussi. Comment elle s'appelle? Domi Scrap, si tu passes par là, comment dire?
Dans le junk que tu m'avais fait pour mon anniversaire de 2021, tu en avais mis et j'aimerais bien savoir où tu l'as pris. Parce que franchement, je serais contente d'en trouver. Il était très beau, il était très vintage en plus. Vraiment, il était magnifique. Voilà, donc là, c'est l'As Garden. L'autre, c'était Coffee Mark. Oui, il y a 15 pièces. 15 pièces, ça fait 50 centimes la feuille. Alors, 15 pièces, 2 euros. Non, ça fait moins quand même. Hop. 70 centimes. Ouais. Alors, celui-ci s'appelle Ear Pap In Paper. Alors, ici. Alors, on a celui-ci. Ça fait comme du tissu. Ouais, c'est original. Là, ils sont très beaux. On ne peut pas dire que ce soit vilain, mais pour moi, ce n'est pas du papier vélum, c'est du papier de soie. Hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Celui-là est joli, hein, c'est. Voilà. Là, c'est un fond sur. Ouais, c'est beau, hein. Là aussi. Ça aussi, c'est très très joli. Celui-là, j'aime un peu moins. Bon. Ça, c'est très beau par contre. Celui-là est très très joli. Dommage qu'il n'y en ait pas que des comme ça. Celui-là est beau. Oh, ça ressemble à. J'ai eu une collection de papier avec ce motif-là. Hein. Ouais. Et celui-là, il est beau aussi. Le truc un peu plié là. Mais il est très beau aussi. Donc, ouais, je vais tâcher de les utiliser. Mais. Le problème, c'est qu'on peut pas, on peut pas mettre de, comment dire, de colle, parce qu'on, elle se voit à travers. Du double face sur une grandeur comme ça va pas être évident. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais les utiliser. Voilà, celui-ci a l'air très bien par contre. Là, et celui-ci s'appelle Fantastique Journée. Vous voyez? Alors, je vais prendre ça. Ici, regardez comme c'est joli. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ah, c'est des luminaires, là, un globe. Là, on voit, je sais pas. C'est pas une pendule. Il est beau celui-ci. Hein. Oh, celui-ci est magnifique. Hein. Ouais. Très joli. Là, on voit un hibou. Comment on appelle ça? Je sais plus. Pour mesurer le temps. Là, on a le chaudron. Et puis la potion magique. Là, on a des livres. Ah oui, celui-là est vraiment très très beau. Hein. Puis même en collant, en prenant deux, en les collant dos à dos, on n'aura pas la même chose. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Là, c'est pareil, hein, c'est des potions. Alors celui-ci, je ne sais pas trop dans quel sens le mettre. Ouais, on voit comme des livres. Je ne sais pas. Là, on voit des lettres avec des sceaux. Voilà. Là, on revoit une dame blanche avec le globe au-dessous. Là, le manuscrit, la clé. C'est très, très joli, hein. Ici, c'est des livres. Ouais. Puis on voit les quartiers de lune. Ouais.
Oh là, c'est très beau aussi, hein. Oh là là. Oui, alors l'oiseau, au mieux que vous le voyez dans le bon sens quand même. Voilà. Là, on voit une boîte à oiseaux, une locomotive. Neuf. Là. Ça, je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Là, c'est des livres. Ils sont vraiment très jolis. Ouais. Bon, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à comment je peux m'en servir. Parce que les coller l'un contre l'autre, je pense pas que ça soit une bonne idée. Il faut que je demande à une fille qui fasse beaucoup de junk comment elle l'utiliserait. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.